7 ans plus tard, nous avons enfin la version globale de Fate Grand Order. Nous allons directement tester ça, les amis. On va voir ce que ça donne. On met la musique du jeu. Du coup, le jeu regroupe toute la saga des Fates. Du coup, Fate Stay, Fate Grand Order, Unlimited de je sais pas quoi, etc. etc. Jusqu'au dernier qui est sorti, la dernière saison qui est sortie. Et qui remonte, je crois, à 2020 ou 2021. Et le jeu, c'est un jeu de plateforme assez basique. Certes, il y a des petits effets, mais le jeu, ça se voit qu'il date et qu'il a quand même assez vieilli. Je pense qu'en version chinoise, en version japonaise et en version US, il continue de très très bien fonctionner vu que ses stats, ses revenus par mois dépassent les 35 millions en regroupant la version globale et la version japonaise, bien sûr. Bien sûr, on le met dans la même catégorie que Dokkan parce qu'ils sont sortis quasiment en même temps, dans la même année. Et que là, cette version globale suit le. Je crois qu'on dit le déroulement. Suit le déroulement de la version japonaise, c'est-à-dire qu'on a les mêmes portails qu'eux, les mêmes persos qu'eux, le même truc, etc. Pour le moment, le jeu n'a que la version anglaise. On sait déjà ça. Hein. Mais bon, avec les revenus qu'ils font, ils auraient dû au moins le sortir en français. Hein. Le jeu est disponible sur App Store et Play Store, bien sûr. Ok. Alors on va voir un peu la qualité de l'aspect. Ok, c'est joli. Ça représente bien l'animé, hein. C'est joli. On va pas nier. Bon, skip. Dab, vous connaissez. Vous pouvez jouer sur émulateur, bien sûr. On skip, sinon la vidéo va durer 48 heures. Prologue. Je serai en live ce soir, les amis, sur YouTube, sur la version chinoise de Tower of Fantasy. Nous allons faire des invoques, nous allons faire pas mal de choses. Nous allons farmer, nous allons faire du PVP si c'est possible. Skill menu, ok. Ah, j'espère qu'il y a un petit auto et un petit x2, hein, parce que là, pour ce type de jeu, ce serait pas de refus. Plutôt ce style de jeu.
Ok, x2, nice. Les grosses satanes qu'elle envoie avec son bouclier, incroyable ça. Ok, ça c'est un truc pour invoquer. Faut que je continue. Oula. Le tuto qui va durer 1 heure. Ok, bon, le mode auto n'est pas dispo pour le moment. Je pense qu'on va le débloquer sur le chapitre 1 ou à la fin du tuto. Je comprends pas comment il fait autant de revenus le jeu, concrètement. Je préfère largement le gameplay de Dokkan au gameplay de ce jeu. Genre même en termes d'animation et tout, je les trouve plus jolies, celles de Dokkan. Hein. Bon. Ils vont pas me faire un troisième combat quand même. Pas abusé. Ok, on part sur les invoques. La partie la plus amusante. Ok, on commence avec une petite multi gratuite. Bon, de ce que j'ai compris, les memories, enfin les cartes support et les personnages sont mélangés dans les portails. Bon, ok, perso gold, pas perso doré. Enfin, pas perso 5 étoiles, quoi. Est-ce que c'est une multiréole? Ok, ah, ok, celle-là c'est une goldée. Enfin, c'est une 5 étoiles plutôt. Je crois. Non, même pas. Waouh, oh, les animations. Toujours plus long. どうぞ自由に扱ってください。
Le pire, c'est qu'on peut même pas skip les animations. Réellement, on va pas se le mentir. Bleach Brave Soul a les meilleures animations de tout jeu mobile confondu pour les invocations. Ah ouais, on peut, du coup, c'est pas une multi-reroll. Ok, bon. Ah ouais, le tuto il dure vraiment très longtemps. Ah voilà, ça nous sort des persos comme ça. Skip. Attends, après le quoi, c'est... Normalement, on peut drop du 5 étoiles, non? Vu que j'ai pas pu voir... Le taux drop, là? Ok. On va faire ça. Ouais, quand même. J'aurais pu améliorer en ce temps la qualité des... Des animations pour les compétences, pour les attaques. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Ok. Suivant. Il y a des gens qui font des vidéos sur ce jeu. Ah, pour ma part. Pour ma part, je pense pas que je ferai des vidéos faux folles. Parce que concrètement, il n'y a aucune. Il n'y a aucun truc hypant. Bon. On a combien de temps de vidéo là? On est déjà à 13 minutes. Eh ben. Est-ce que je dois refaire un combat? Normalement non. Ok, on récupère maintenant. C'est bon, on récupère les récompenses de connexion. Et on va pouvoir réellement invoquer pour voir ce que ça donne, hein. J'ai pris un truc au hasard. Hein. Alors, qu'est-ce que je voulais voir? Ah voilà, il y a bien. Ce que je me suis dit, il y a bel et bien. Il y a bel et bien des persos 5 étoiles sur le jeu. Alors, qu'est-ce que ça va donner?
Ok. Pas foufou. Vraiment, il nous donne rien pour commencer là. Ah, il faut farm de ouf en plus. J'ai 5 tickets. Faut qu'on aille regarder un peu le système d'invocation. Est-ce que si on fait des multi, on drop? Y a pas un système de multi, de ce que je vois. Mais il y a énormément de persos. Ok. Ok. Est-ce qu'il a écrit un truc ici? Du coup, quand on fait une multi, on drop un R ou supérieur. Non, un... Qu'est-ce que je raconte? Un SR ou supérieur. Ok, bon. Je pense que la vidéo va s'arrêter là parce qu'on n'a rien pour invoquer. Je pense qu'ils allaient nous donner des trucs, mais non. Sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine.